Alors, on parle de plein de persos movie qui pourraient être LF, mais la communauté française parle très peu de ce Goku-là, mais qui est un LF par destination, le personnage qui détruit Broly, et surtout qui est la conclusion d'un film magnifique. Alors, c'est vrai que la fin, elle est un peu, voilà, mais il y a des scènes hyper stylées, là, avec son contre qu'on n'a pas dans le jeu, le LF avec son coup de poing qu'on pourrait avoir, mais le film est trop bien, franchement, je vous invite à aller le revoir si vous ne l'avez pas vu. C'est une masterclass, et tu comprends ce qu'est vraiment Broly, en fait, comparé au Broly qu'on à nous dans le jeu Ultra. Donc vous allez vraiment kiffer, je pense, parce que on l'a mis full dégâts de spé. Vous allez voir, en termes d'items, ça va faire très très mal. Alors j'appelle, bah, le perso, c'est un Zenkai déjà pour commencer. Donc il a une spé qui est excellente. Spé en dégâts colossaux qu'augmente de 50% la puissance des spé à chaque spé. Donc vous pouvez d'ailleurs les cumuler, ça peut être cool. Et elle a l'anti-survie au chaos. Et ça, c'est à noter, ça peut être très cool. Donc si on le met full dégâts de spé, je me dis qu'il y a peut-être des choses un peu vraiment intéressantes à faire. En plus, il est bleu Saiyan, donc au niveau des caps de Zenkai, on va potentiellement se régaler, les amis. En plus, ce perso, il est SSJ, donc ça va plutôt pas trop mal marcher. Donc le main, il pioche une spé, augmente les dégâts infligés contre le Broly. Bon, le perso, normalement, il est fait pour ce que vraiment briller, un peu comme le Goku violet que je vous ai showcase, quand il y a un allié KO. Ok, pourquoi pas. Il a quand même 80% de dégâts à l'entrée en scène. C'est pas si horrible, on va dire. Il a une survie au KO parce que il faut le jouer avec deux sagas des films. Donc ça va être potentiellement très 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 cool. Malus de stats, ok. Super combat légendaire, les effets s'activent toutes les 5 secondes après que vous soyez entré sur le terrain. Bon, ça c'est un petit peu osef en vérité. Donc vous avez vu, le perso il est vraiment fait pour mettre des grosses spé. Parce que sa carte verte également, elle augmente les dégâts infligés par la prochaine spé. Ce qui est dommage, c'est que ça soit pas sur toutes les spé en général. Parce que sinon elle est pas, voilà. Bref les gars, on est parti pour voir ce Goku. Franchement, il est vraiment stylé. Bon, je vous ai pas montré les items du perso et sa team, donc on va le faire. On va le jouer avec Gogeta Blue. Pourquoi? Parce que Gogeta Blue, il va permettre, bah, potentiellement de détruire les verts qui peuvent un petit peu l'embêter pour que lui puisse taper vraiment très bien sur les persos rouges. Au niveau des items, les gars, je lui ai mis cet item là, évidemment. Strike, régène de ki, ok, et dégâts de spé. Donc ça, c'est très très cool. Item là, parce qu'on va jouer avec 3 persos movie, donc de l'attaque pure, sachant que sa spé, elle est strike, donc ça va super bien marcher. Et le dernier item qui est pour les Saiyans, strike, dégâts de spé. Donc franchement, ça peut être très cool. Allez les gars, on est parti, let's go. Si jamais on affronte double jaune, bon, c'est quand même pas la folie pour Gogeta, hein. C'est quand même pas la folie pour Gogeta. Bon, l'avantage de ce Goku là, c'est que bah, je peux mettre les spé quand je veux, et le but d'ailleurs du perso, c'est ça. Donc avec 4 caps Zenkai, bon, là on a vraiment, on a fait les forceurs, mais moi j'adore faire le forceur pour les showcase, pour les vidéos, c'est comme ça. Je suis pas en mode, je vous joue Gogeta, full caps sur Gogeta, Gogeta il fait tout, et puis moi je vous montre rien. Moi je veux que le perso que showcase, il fasse tout, genre vraiment tout. Ok, il a joué C17 MVP et double jaune, donc Gogeta, bah là c'est vraiment Goku qui va devoir tout faire, sinon ça va mal se passer en fait, on va clairement dire les termes. Sinon ça pourrait très mal se passer. Ok, on est plutôt pas mal, on va break ici. Et on va mettre la première spé de Goku, hein, en vérité. Bon, sur Jiren, ça va pas être très impressionnant là, je pense. Hein. Ouais, parce que Jiren, bah voilà. Hein. On connaît Jiren. Attends, si on a pas une petite carte verte qui pop. Pas de carte verte ici, on met la spé si elle passe dans pas de côté, ce serait cool. Oh, comme tu lags, frérot. Oh, là, là. Tu lags vraiment beaucoup, beaucoup en face, hein. Jiren étant un perso vraiment tanky, c'est pas notre meilleur avantage qui se passe. Elle est vraiment stylée, sa verte en plus. Putain, elle est vraiment stylée. Mais ça pourrait être vraiment comme un contre, quoi. Même sa animation strike, elle est vraiment très cool, quoi. Allez, c'était sûr. La fameuse carte verte de Kid Buu, on la connaît tous par cœur. Le problème, c'est que le cut de Ki de Pan, alors là, pour lui, il est vraiment tout sauf un problème. Il a, je sais même pas ce qu'il fait. Il a même pas... Qu'est-ce qu'il fait en face? Vous noterez que c'est pas ce que je voulais faire. Hein. Je voulais switch sur Goku, mais vu que ça lag, je peux pas. Et on va Rasing ici. On va Rasing le Jiren. On va Rasing le Jiren pour s'en débarrasser. Je peux pas faire ce que je veux dans la game avec les lags, donc on va essayer de s'adapter. Alors attention, on passe P sur C7 MVP parce qu'il nous dispel. Donc évidemment, on va éviter. Franchement, il est vraiment beau ce Goku. Il est vraiment très très beau. Bon, Gogeta, je te remercie pour le Rasing ici. T'as fait les travaux. Et c'est banger. Ici, t'as pris très cher quand même. Ok.
C'est cool. On craque, que c'est quasiment impossible de jouer. Hein. On craque, que c'est absolument impossible de jouer face à notre adversaire. Puis en plus, ça va break pan. Enfin bref. Oh là là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Break un open save. Un truc que j'ai jamais vu encore. Allez, go push. On y va sur l'aspect coup de fureur. J'espère que ça break pas parce qu'avec les lags, on sait jamais. Ok. On avait l'anti-survie, vite! Allez, on va tuer! On va Let's go, nature, l'anti-survie! Et oui, Goku! Oh non, par contre, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, ce perso de mort, j'en peux plus. Oui, Kido, oui, Kido. Et là, il nous détruit notre main alors qu'elle était très bonne. Ah, les gars, je campe, hein, je vous le dis direct, mais avec le frérot qui lag plus ses open save, je vais pas vous mentir que j'ai absolument aucun remords, hein, vraiment. Je peux pas m'avancer, ok. Je ne peux pas m'avancer vers lui, donc c'est vraiment compliqué. Il a bien joué dessus. Là, rien à dire, il a plutôt bien joué. Il a déjà main. Donc, on peut aller chercher la strike ici. Hein, parce qu'on rappelle que Kid Buu, il a déjà main ulti. Donc là, on va pas contrer. Pourquoi pas le faire esquive, ouais. Il tue pas. Il y a Goku là-dessus. Hein. Oh là 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 là, let's go, Goku. Bonne patate là. Hein. Et là, le rising ici. Ah, il nous dispelle totalement, donc on perd tous nos boosts. Mais nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher le kill avec Goku. Oh, le lagueur. Le lagueur avec tes open safe, on va te foudroyer avec Goku bleu. Let's go! C'est ça! C'est ça la vie de rêve, les amis. Pour tous, cette game, elle est pour vous. Pour tous ceux qui affrontent des lagueurs là. Vous avez marre parce que vous pouvez pas passer vos moves. Parce que vous avez envie de vous avancer ta patate et que ça bug tellement. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, les gars. C'est ce qu'il a dit Goku en japonais. Oh là là, évidemment qu'on va chercher un espèce de gros one shot sur Hit, évidemment que c'est l'objectif. Il est en face de nous, notre cher ami Hit, vous avez vu, dès que le perso il met une carte verte, l'aspect d'air c'est pas du tout les mêmes dégâts. Ce qui est dommage, c'est en fonction du nombre d'alliés sur le terrain, donc c'est pas évident d'avoir tous les boosts. Par exemple, la dernière, bah là vous avez 50%, mais ça aurait été sur toutes les autres spés, ça aurait été très cool. Mais vu que c'est que sur une, bon, c'est vraiment... C'est voilà. Mais je me dis que le design de Kit, ils l'ont compris. Donc si on a le même Goku, ça pourrait être très cool. Je rappelle qu'on a la survie, faut pas oublier. Je suis mort pour ce week-end, ça va être showcase full Goku, les gars. Vraiment, ça va vraiment être showcase full Goku. Vraiment, on va faire que ça. Bref, c'est pas grave. Il y a tellement des Goku stylés dans le jeu que vas-y. En plus, c'est souvent des persos que je showcase pas, donc c'est chiant. Pourquoi pas? Et pourquoi pas une petite carte verte ici? Ok, bon, bah, pas en direct. Hein. On a déjà mis une carte verte, c'est cool. Alors là, évidemment, la prochaine, évidemment, on va surtout la mettre avec Pan, je pense. Quoique, on bloquerait même pas la transfo de Diren en soi. Donc, on n'est pas obligé. Perfect. Non, on a failli le faire. On a failli le faire. Non. On a failli faire la dinguerie, les gars. La dinguerie, on a failli la faire. Oh là là, le hit qu'il a pris, bordel. Ce qu'il a pris, le hit. Oh là là, c'est dingue. Il fait mal avec ses spés, vraiment. Lui, c'est un cogneur de zinzin sur les spés. Voilà, on va strike tout de suite et rallying, hein, les gars. Oh, waouh. Déjà là, lui. Il va se venger, là, je crois. Je crois qu'il est pas content. Cette fois, rallying. Là, il va mettre KO, je pense. Parfait.
Notre plan, il marche plutôt pas mal, moi, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, notre plan, il marche plutôt bien, là. Après, bon, oh là là. Ça, ça change beaucoup de choses. Parce que là, Gogeta, il est pas dispo, en fait. Si je joue bien qu'il esquive, je suis mort. Ok, c'est bon. C'est quoi, on y va, hein? Eh, il est obligé de switch, parfait. Je pense qu'on va être obligé de... Enfin, le compte de Rising, là, il a vraiment inutile la game. Je pense, mais bon. Ah oui, d'accord. Ah ouais, il a rune spé derrière, ça fait beaucoup là. Ok. Il a il a eu verspé là, bon là. Je vous avoue que là on peut pas trop s'en vouloir parce que bah là il a verspé quoi. Il a la cover du coup sur ce qui me spé et derrière il drop la verre donc évidemment que ça le met bien. Bon bref, c'est pas grave, on va continuer. Attendez, avant que vous vous enflammiez, petit contexte, parce que oui, je rappelle, il m'a Rising Rush, mais j'avais la survie, c'est juste que j'ai totalement oublié qu'il avait la survie ce perso, donc c'est pas très grave, parce que je me suis fait défoncer derrière, donc vous avez rien loupé de plus, parce que j'ai quand même joué, hein, mais du coup, je me voilà, donc voilà. Il y aura pas la game, vu que j'ai cut, mais c'est enfin, la fin, mais c'est pas très grave, ça change absolument rien. Également, pourquoi Gogeta s'est fait atomiser comme ça? Bah, très simple, Jiren boosté, Gogeta pas boosté, et même sans ça, pas la cap Z de Pan, pas la cap Z de Balak. Donc voilà, pas de cap Z, pas très peu de cap Z dans la team. Je l'ai 5 étoiles, et je veux dire, il est pas en leader, donc il y a plein de choses qui font Gogeta, là, il est... Enfin, même pas de cap Z Zenkai sur ça. Bon, on a vu des bons dégâts, mais comme vous le savez, les bons dégâts, ça fait pas tout. Hein. C'est bien de faire des bons dégâts, mais c'est pas comme ça que forcément que tu gagnes des games. Ok, il nous a pas détruit de carte verte, donc ça, c'est cool. On pourra taper derrière, let's go. Et on espère drop une verte. Vraiment très cool. Ok, on break ici, ça passe. Et pour l'instant, les cartes vertes qui n'existent pas dans mon deck, c'est un peu embêtant parce que je reviens. Mais... Ok. On va mettre Pan là-dessus. On va carte verte avec Pan. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, tant qu'il y a Rosé, les gars, sur le banc, je suis quand même un peu embêté. Ok. Non, vous l'avez écouté, oui. Oui, vous l'avez écouté, le pas de côté. Waouh, Gogeta. Oh, ce délire. Il fait mal, putain, comme il fait mal. Tant d'aspect, là. Très bien joué. Hein. Franchement, GG en face. Franchement, GG. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais avec l'ulti, Gogeta qui arrive quand même à faire un bon petit taf, il perd son Gogeta là-dessus. Peut-être qu'il me voyait pas ulti, peut-être. Du coup, c'est quand même une erreur. Hein. Ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, tant qu'il sauve son Rosé, je pense qu'il peut largement gagner la game. Nous, ce qu'on veut, évidemment, c'est prendre le cri sur ce Rosé-là. Et là, malheureusement, je pense que ça va finir. Voilà, ça va Rising. C'est tout à fait logique, tout à fait normal. Et d'ailleurs, il a bien raison de le faire. On va carte verte avec le Goku. On a encore le main, je rappelle le main donne une spé donc ça, en fait c'est qu'il faut qu'on la lâche sur Zamasu et qu'on Rising Rosé, il n'y a pas 36 choix pour gagner la game. Voilà. Venir à bout de Rosé, c'est pas simple. Donc, double carte verte, la prochaine spé va être assez drôle. Vas-y, être un petit peu en face, attention quand même. On va Rising là-dessus. Oh là là, on a bien joué. On a très bien joué là-dessus, on peut être content. On se doutait qu'il y avait un ulti en main, et là maintenant, bah, on a la game qui est... Ah, plus jamais je parle trop vite. Hein. Plus jamais. Plus jamais je parle trop vite, moi. Prochaine fois, je me tais. Okay.
Oh, il avait le main encore. Il avait encore le main, les potes. Bon, on a la survie, hein, quand même. Hein. Là, cette fois, on évite de l'oublier. Là, c'est Gogeta qui va arriver. Actuel ici. Ok. Ciao Zamasu. Oh non, contré. Bon bah là. Alors la chance qu'on a, c'est qu'on a une carte verte, mais là il a rendu la TP. Il est dans une sauce. J'ai même pas le délire. Il a encore une SP. Rosé qui m'a contre. Je rappelle, s'il me fait pas contrer le Rising, c'est game. Hein. Je rappelle que j'ai Rising sans Rosé. Donc normalement, il est mort. Mais bon, vu qu'il m'a contré le Rising. Ah, ce Rosé avec CSP, verte, SP, contre de Rising, SP, ulti, SP, ulti, SP. Bon, j'avoue que c'est pas si simple de gagner des games. La team que j'ai faite pour Goku, elle est dingue. Mais par contre, pour gagner des games, c'est un peu différent. Là, on a un match-up de dingue. On a un match-up d'un pour le tag est 3 étoiles. Diren est 5 étoiles. IT 5 étoiles. Ça peut être vraiment, vraiment vénère. Bon, je suis désolé si je fais quelques misplays ou pas, mais là, le compte de Rising, franchement, il m'a eu. Vraiment, il m'a eu. Face à Zamasu, vous avez vu ce que je lui ai calé, frère? Oh, t'es incroyable. C'est pas très grave. Bon, on se fait attraper ici, c'est pas grave, on met pan direct. Direct pan ici. Pan qui va taper en plus, donc ça, c'est cool. Je rappelle, à chaque carte de pan, bah, vous êtes content, parce que ça met du support quand même. Ça met quand même du support. Ça met déjà. On pourrait tenter un truc là. Parfait dodge. Bon dégât, en vrai bon dégât quand même. On tente s'il attaque. Oh mais le taf de Zinzin. Oh non je suis mort. Je vais perdre. Heureusement qu'il est 5 étoiles. Oh non, il va encore me spé, il va me tuer. Heureusement qu'il a transfo, les gars, parce que du coup, c'est une spé corps à corps, mais. Tiren, quel monstre. Oh, heureusement, les gars, que je fais pas une strike, parce que là, j'avais envie de faire la strike. Hein. Non, c'est pas possible. Ah mais c'est pas possible, sincèrement c'est un délire ce qui m'arrive. Il est pour me Tokidobashi et tout, je suis dégoûté. Je suis dégoûté les potes. Bon, il est pas de Tokidobashi mais... Ah franchement je suis dégoûté les gars, encore un compte de Rising, c'est quoi cette vidéo? Ok. Carte verte là avec le Goku, c'est cool. Je peux pas avoir une spé, c'est impossible. Mais comment ça il a une spé? Les gars, il vient de m'en faire une avec Jiren, je comprends pas. Je l'esquive. L'aspect que vous avez vu de Jiren, je l'esquive. Comment ça il a une spé déjà? Allez toi, ciao. Y'en a marre. Les gars, on entre, là on va crever. Là on est. Aïe aïe aïe. Et encore un compte de Rising qui me nique ma game. Pour pas dire de gros mots. Voilà, encore un compte de Rising qui me fout droit ma game. Ça fait plaisir. Merci Dragon Ball Legends. Hein. Franchement, merci. Je joue Goku de tard l'époque. Même si les Zenkai, je me fais défoncer à cause du compte de Rising Rush toutes les games. Sinon, j'ai déjà gagné toutes mes games, en fait. Il n'y a pas une game que je perds, en fait. C'est pas compliqué, je perds aucune game. Il nous a dispel, on va FF, ça sert à rien. Je suis dégoûté.
Bon bah vous avez compris les gars, cette vidéo c'est la vidéo du Rising Rush en fait, hein, tout simplement. C'est la vidéo du Rising Rush, c'est-à-dire bah qu'en gros je me fais contrer tous les Rising Rush que je lance, donc c'est en 8 ans en fils. Ce qui est vraiment, ça met vraiment en lumière le problème de cette mécanique horrible, c'est que en vrai, je fais ma game parfaite. Il me Rising, il me prend un kill comme d'hab parce que je contre jamais. Ensuite, derrière, moi je dis ok, il faut que je Rising son Rosé, il faut que je Rising son Jiren. Je fais le bon move, le bon truc parfait au bon moment, je le mets, je suis en mode ok, là j'ai fait j'ai fait quelque chose de bien. Lui, pour contrer ce que j'ai fait de bien, il le contre avec du hasard. C'est terrible, franchement c'est terrible, surtout quand tu joues des teams comme je la joue qui est beaucoup plus bancale que ce que vous voyez en face par exemple. Bon, on espère quand même pouvoir faire des trucs cool, faut pas non plus abuser, on est avec Goku donc c'est évidemment pas évident. Donc voilà, si le jeu pouvait ne pas me rajouter des problèmes que j'ai déjà, parce que là les problèmes, je les ai en vérité déjà. Quand vous voyez ma team est un problème en fait. Avec pas de space s'il te plaît. Bon, bien joué. Embêtant évidemment. Bon, c'est pas trop mal tanké quand même. Ok. La joue de Gogeta qui s'est générée très rapidement. Genre vraiment très rapidement. J'ai l'impression que ça continue sur le même chemin qu'on était parti, les gars. En mode, c'est pas grand chose pour moi. L'anti-cover toujours depuis... Oh là là, il a regagné l'anti-cover juste après. Je joue pour le même jeu, si vous voulez que je vous dise. C'est contré, je crois. Il a qu'une envie en face, c'est d'en finir. On l'a compris. Let's go! Allez, let's go là. Ça, c'est encore un bon move. C'est encore un bon move. Il faut qu'on soit récompensé, les amis. Il faut vraiment qu'on soit récompensé. Ok, on va tenter le mail parce que peut-être qu'il s'en doute pas qu'on a une spé, on drop une spé comme ça. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire? Mais j'ai pas gagné en plus. Hein. Jiren va falloir le tuer aussi. Cool. Allez, belle patate ça Goku. Et je suis mort ici. C'est bien joué. Mais ça va, Gogeta. Ça va. J'ai bien fait de faire la date, de toute façon il me détruit les cartes. Je suis hyper concentré, mais là je suis dans le mood où j'aime bien Goku, tu vois. Je t'aime bien Goku. Ah, attention, il pourrait oublier sur vos KO. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est sûr et certain, il a oublié sur lui. Je vous le dis. Vu comme il joue, ça se voit. S'il a une deuxième SP, je sais pas d'où il la sort, je vous avoue. Ah, il a pas oublié, c'est bien joué. Rien à dire, bien joué en face, il a pas oublié la survie. Donc ça c'est super bien joué de sa part. Oh,
shot, Jiren. Oh bordel de bordel de bordel, c'était ma seule chance de gagner. Oh, je m'arrête là. Oh, cette game de zinzin. On l'a one shot le... Oh, il était combien Jiren là? Je pense qu'il était pas plus 6 étoiles. S'il est plus de 6, c'est une folie. Parce que là, vraiment, mais genre vraiment... Alors, on avait fait 2 vertes, hein. Donc on avait beaucoup de boost. Il est 7 étoiles Jiren. Waouh, ce délire les potes. Et ben franchement, je vais m'arrêter là-dessus. On a one shot Jiren. Alors là, m'en doutez pas du tout. On a eu vraiment le bon move au moment. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'en peux plus là. Je suis saturé les gars, le jeu. C'était compliqué là. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé quand même. On a bien fini et on a fait en beauté, c'est ce qu'on a dit à Trade Prince en vous les gars.